Nous sommes à bord du SUV MG EHS, donc la formule hybride. Nous avons ici donc la fameuse tablette 10 pouces, donc version européenne. Donc aujourd'hui, vous voyez, il n'y a pas de menu ou autre pour faire fonctionner avec d'autres éventuelles fonctions. Aujourd'hui, donc là, on est en radio DAB, en digital. Vous avez aussi la FM, donc avec les noms des stations qui s'affichent, etc. Donc bon, pas de souci. Et aussi la musique via Bluetooth. Donc là, il suffit de mettre la musique d'un appareil, même le téléphone, et ça fonctionne. Les différents menus et réglages, donc l'audio, vous avez pas mal d'informations. Vous avez aussi un menu ici, donc là pour les réglages, etc. Définition, donc c'est, il n'y a que le conducteur. On peut paramétrer vraiment le son par rapport au nombre d'occupants du véhicule avec réglage du caisson de basse. Vous voyez, donc là il n'y a pas plus. Donc là, ici il y a un menu, là il y en a un autre. Alors, je reviens sur le menu général, parce que ici les touches que vous voyez, elles fonctionnent avec l'écran. Regardez, là je mets maison, et ça revient ici. Le GPS, et puis là il y a le chauffage. Vous voyez? Donc là on peut régler comme on veut, indépendamment, etc. Donc, pour le chauffage, il y a une astuce. C'est très simple, vous voyez ici elle tourne, hein. On le voit, ça tourne vers les pieds et avec l'air qui rentre de l'extérieur vers le véhicule. Il s'est programmé à 23 degrés de chaque côté. Il y a une astuce, si jamais vous voulez couper le chauffage ou la clim, c'est très simple. Vous allez sur le bouton de la clim ici, vous voyez, vous appuyez quelques secondes et ça s'est éteint là-haut. Donc en fait, et ici, vous voyez, ça a même changé. Parce que j'ai coupé la climatisation ou chauffage. Pour le réactiver, c'est très simple. Je réappuie dessus quelques secondes. Vous allez voir l'afficheur, il va changer. Vous voyez? Il a changé l'afficheur et ici aussi. Donc ça, c'est une petite astuce. Pareil, pour éteindre l'écran, par exemple, si vous ne voulez pas avoir les informations, vous appuyez sur la touche maison. Quelques secondes, mais là par contre ça coupe tout, même la radio. Vous avez que la date et l'heure qui s'affiche. Voyez, et là on est le 11 mars 2021, donc ça veut dire que je vous fais vraiment la vidéo là depuis hier. Voilà, pour réactiver, un coup bref et vous avez accès. Après vous avez les différentes fonctions, donc pour le téléphone. Là où il y a les contacts, les raccourcis, l'historique des appels, etc. Pour revenir en arrière, on revient ici. Configuration de la voiture. Comme tout à l'heure, vous avez ici un menu, vous avez un autre ici, dont le MG Pilote. Le MG Pilote, c'est quoi? Regardez, c'est quand je lâche le volant et que la voiture, elle se conduit toute seule. Regardez. Je sais pas si j'ai assez de recul, si je voyais assez bien. Alors de temps en temps, il va demander à mettre les mains sur le volant, voilà. Donc je mets un petit coup et puis je peux relâcher le volant et la voiture elle va conduire toute seule. Donc ça c'est pour le MG Pilote que vous voyez, il est actif et je peux le désactiver. Le désactiver, ça veut dire que ça devient une voiture traditionnelle. Et c'est à vous de piloter. Donc vous avez un menu ici et vous avez un menu ici. Le maintien de la voie avec les différentes alertes, etc. Enfin bref, le respect des limitations de vitesse, le mode confort, donc le réglage de la lumière de l'habitacle. Vous avez accès à toutes les couleurs et puissance de lumière. Donc ça veut dire que du moment où les lumières s'allument, enfin nous, moi j'ai mis en mode automatique, ça veut dire que ça va s'éclairer uniquement quand il fait nuit. C'est-à-dire que toute la partie là du tableau de bord avec les portières s'allumeront uniquement quand il fera nuit. Le reste du temps, il ne s'allume pas. Et sinon, vous avez même la possibilité de le faire en pulsé. Tac, 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 que je dise pas de bêtises.
C'est pulsé, voilà, vous mettez en pulsé, activé. En fait, ça va faire des variations, de lumière, voilà. Après, voilà, il y a pas mal d'astuces, etc. Je vous laisserai découvrir, mais voilà, pour vous dire qu'il y a un menu quand même assez complet, il y a de quoi faire, sans aucun problème. Donc, configuration de l'ensemble, donc aussi bien de la réception radio, la musique, etc. Donc toujours menu ici, il y a un menu en haut. Je ne vais pas le défiler parce que vous avez la totalité, enfin vous verrez par vous-même, vous voyez hein, le réglage de l'heure, comment il se présente, si on veut par rapport à la réception digitale, au GPS ou si on le veut manuellement. Voilà, à savoir qu'en GPS, il est décalé de 1 heure à cause des heures d'été et des heures hiver. DAB, c'est du réel en instantané dans le pays même. Donc vous changez de pays, ça se met à l'heure automatiquement. Bon, ça c'est la petite aparté. Donc configuration, vous avez vu pas mal de définitions. Enfin, il y a beaucoup beaucoup de réglages. Hein. C'est, enfin bref. Vous avez Android, non, le Apple CarPlay. Donc c'est valable pour les téléphones de chez Apple. Donc je vous le dis tout de suite, j'ai pas testé parce que ça fait très longtemps que je n'ai plus d'iPhone. Me balader avec une rallonge, c'est pas intéressant. Android Auto, voilà, il suffit de télécharger la même application. Donc le Waze que vous avez dans votre téléphone portable, vous pouvez l'afficher sur l'écran de la voiture. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Là, images et vidéos, vous voyez, j'ai pas accès en fait. Ils y sont là, on les voit, c'est visible les boutons, mais j'y ai pas accès. Donc, parce que peut-être qu'il manque la mise à jour, je sais pas, je pourrais pas vous dire. Mais à l'heure actuelle, en tout cas, ils me servent à rien. J'ai essayé d'envoyer des photos et des vidéos et ça ne marche pas. Et même branché avec l'USB ici, parce que vous avez deux USB à l'avant et deux USB à l'arrière. Même en envoyant comme ça, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Ce qui est dommage. Ce qui est dommage, moi j'aurais même aimé avoir un système Android embarqué qui permet de télécharger directement des applications sur l'écran. Là, ça aurait été vraiment le top. Mais bon, on va pas se plaindre, ça reste déjà un bon produit, il y a une belle image, ce qui est déjà pas mal. Voilà, donc ça c'était pour les fonctions de la tablette, parce que vous étiez nombreux à me poser la question. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne puisse pas savoir, par exemple, la consommation du véhicule, l'instantané, la moyenne, etc., sur le grand écran, et qu'ils puissent même faire un peu le système comme chez les Renault, par exemple, pour nous inciter à faire une conduite la plus écologique possible. Sur les tablettes Renault, il y a cette fonction-là, et honnêtement, c'est pas mal, parce qu'avec votre conduite, ils vous disent si vous avez plutôt une conduite économique ou pas. Donc, bon, clair que c'est pas un truc essentiel, mais je trouve qu'avoir une tablette et avoir multiples informations, ça aurait été vraiment très très intéressant. Bon, après, ça reste dans ce menu-là, hein, donc là, vous voyez, j'ai avec le plein, vous voyez à gauche, il reste 141 km. Avec ma conduite, c'est-à-dire j'ai fait qu'un seul plein de carburant. Par contre, j'ai pas arrêté de faire des pleins d'électricité, donc la jauge à droite. Eh ben, j'ai déjà fait 469 km et en cumulé, il me reste encore de quoi faire 175. Donc, si vous additionnez le tout, on a plus de 600 km avec un plein de carburant. Alors bien sûr, ce sont des petits trajets coupés, etc. Bien sûr, si vous devez faire de l'autoroute pure, vous n'arriverez peut-être pas à faire les 500 km. Le réservoir 37 litres, hein, je vous rappelle, et puis 52 km d'autonomie uniquement en partie électrique. Voilà, donc ça c'est pour la petite aparté. Donc la voiture, comme vous pouvez voir, elle a que 2160 kilomètres c'est un pur bonheur de rouler dans ce véhicule. Encore ce matin, j'ai fait un essai de ce véhicule à une personne
qui roule en 4x4. Et elle va lâcher certainement son Kia Sorento pour acheter donc ce MG EHS. Voilà, bah, si vous avez des questions, des tests que vous souhaitez que je fasse, n'hésitez pas, mais je pense que j'ai fait le tour de tout. Après, il y a des choses qu'il vaut mieux que vous découvriez par vous-même, parce que voilà, c'est aussi le plaisir de découvrir et de connaître son propre véhicule. Voilà. Je vous laisse commenter sur le groupe, donc Fan Club MG Motor FR. N'hésitez pas à inviter vos amis, famille, enfin toute personne intéressée éventuellement par MG, vous leur montrer les vidéos et peut-être qu'elles peuvent changer aussi d'avis. Voilà. Bonne journée, à bientôt.